Il boit une dose de poison, mais comme il est immunisé, bah il n'arrive pas à se suicider. Coup dur. Mithridate VI, c'est le roi du Pont, une région au nord de la Turquie actuelle. En 111 avant Jésus-Christ, il prend le pouvoir en empoisonnant sa mère et son frère. Ouais. Ensuite, il épouse sa sœur aînée et fait emprisonner tous les autres. Chaque famille a ses problèmes, mais quand même. Mithridate est obsédé par le poison. Il a peur en fait de se faire empoisonner par un de ses proches et fait des recherches sur les antidotes. Il achète des plantes et des animaux venimeux et il teste toutes les combinaisons possibles de poison sur les condamnés à mort de son royaume. Il boit aussi tous les jours de petites doses de poison pour essayer d'habituer son corps et devenir invulnérable. Le mec est complètement parano en fait. En 63 avant Jésus-Christ, alors qu'il est en guerre contre Rome, Mithridate est trahi par son fils et doit s'enfuir. Piégé dans une tour de son palais, il décide de se tuer pour pas être capturé. Et là...